Michael avait à peine 15 ans quand c'est arrivé. C'est un garçon si souriant, si heureux, mais toute cette joie cachait forcément quelque chose. Ce jour-là, rien ne semblait signaler quelque chose d'étrange. Il prit son petit déjeuner et parla un peu avec sa mère, avant de prendre son père dans les bras et de partir en cours. Ce n'était pas un garçon très populaire. Il était très timide et portait de grosses lunettes. On le traitait souvent de caniche à cause de ses cheveux frisés, mais il le prenait avec humour. Mais cette journée n'était pas si ordinaire, finalement. Marc, la grosse brute de la classe, le prit à part avec sa bande, et il le menaça avec un couteau. Il lui dit de lui donner tout son argent et de n'en parler à personne. Sinon, il le tuerait. N'étant pas un garçon très fort ou courageux, il s'y résigna. C'est ainsi que tout commença. Jour après jour, cette petite enflure le racketait. Et jour après jour, le psychisme de Michael se dégradait. Oh, je vous ai précisé que depuis ce jour-là, il commençait à imaginer les multiples façons de tuer Marc. Malgré tout cela, il continuait de sourire, un sourire forcé. Un jour, Michael fut las de cette tyrannie et décida de faire payer ce petit enfoiré pour tout ce qu'il avait fait. En plein milieu de la nuit, il descendit dans la cuisine, prit deux couteaux et sortit de chez lui, sourire aux lèvres. Déambulant dans la nuit, il avait son plan bien en tête. Il comptait profiter de l'absence des parents de Marc pour se faufiler à l'intérieur. Ah oui, je ne vous ai pas dit qu'il traquait son bourreau depuis quelques mois. Il savait tout sur lui. Il connaissait toutes ses habitudes, toutes ses manies et tous ses tics. Il savait très bien que cet abruti ne fermait jamais la fenêtre pour s'enfuir si quelqu'un le tuait. Quelle ironie. Ainsi, il grimpa sur l'arbre qui était proche de la chambre de Marc. Il pénétra doucement, mais ne fit rien. Il savourait ce moment. Il attendait que cette brute se lève et qu'elle le remarque. Qu'elle remarque son sourire de démon. Qu'elle comprenne que la mort avait sonné. Vers 20h30, Marc, assoiffé, ouvrit les yeux. Michael pouvait passer à l'acte. Il planta rapidement le couteau dans la gorge de Marc et se servit du deuxième pour le lui planter dans le cœur. Assis près du corps, il se sentait apaisé. Ne perdant en rien son sourire, il se servit du sang du cadavre pour dessiner un sourire sur le mur. Et il écrivit un message sur le carnet qui était sur le bureau. Tu m'es enfin sympathique, Marc. Sache que maintenant que je souris pour de vrai, je ne compte pas m'arrêter. Je me suis toujours demandé pourquoi tu étais si sérieux. Je ne le saurai jamais, apparemment. Mais vous savez, comme l'a dit un grand homme, vous n'avez encore rien vu. À tous ceux qui m'ont tourmenté, ne dormez plus, ne vivez plus. Craignez seulement le démon rieur.